Salut les amis, nous revoici sur Monster Hunter World, ici Habitus Gamer du 76. Je vous ai promis des builds, donc je vais vous proposer un build arc qui est axé sur beaucoup de dégâts. Donc après, la défense, ça peut le faire et tout ça, ça dépend du niveau des ennemis. Pour les ennemis en dessous de 30, ça devrait le faire. Après sur les niveaux 30, je vous conseille de le faire en multijoueur quand même parce que j'ai quand même testé les builds. C'est à peu près viable jusqu'au niveau 30. Après 50, je pense qu'il faut avoir vraiment un gros build de défense. Là, c'est vraiment axé sur les dégâts. Voilà. Et c'est un arc, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, oui, déjà, vous montrez le build. Déjà. ce serait déjà beaucoup plus simple. Donc moi j'ai l'arc Kajar Lega. Voilà, donc de glace. Ça, c'est pas important, vous pouvez prendre après une autre arme. Donc, je vous montre. Donc, on a le casque Draken Alpha. Nous avons un joyau de titane niveau 3, un joyau d'attaque. Nous avons l'armure Impératrix Beta avec un joyau d'attaque, un joyau du maître et un deuxième joyau du maître. Nous avons un gantelet Draken Alpha, donc joyau du berserk et un joyau du parfait. Nous avons la ceinture Impératrix Beta, nous avons un joyau d'acier et un joyau de dégainage. Nous avons les jambards Draken Alpha pour le joyau de l'archer. Et nous allons au talisman du Basso Taille 2 qui, en fait, quand vous dégainez, vous faites des attaques dégainées, ça vous fait un bonus de d'affinité. Ensuite, nous avons un stuff de survie, donc amplificateur de vie et cape du gardien. Donc, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut se faire comme ennemi qui pourrait être assez chiant? Mais je vais vous montrer vraiment en arène, puisqu'en arène c'est beaucoup plus simple et puis c'est petit. Allez, on le fait le Diablos. Bon, allez. Allez, on va se faire vraiment un casse-bonbon. Voilà. Donc ensuite, sachez qu'après que, bah voilà, avec plus de niveau, plus de difficultés sur les ennemis, vous pouvez bien sûr prendre, bah y aller à plusieurs, quoi. Si bien sûr vous avez le PS Plus, hein, sinon... Sinon, il faudra jouer bah, avec une deux manettes et puis tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu le truc chiant. Mais bon, vu le prix des abonnements, ça devrait pas trop être trop difficile pour vous. Donc on va se tenter une mission arène. On va essayer de le faire tout seul. On va pas demander de l'aide à du monde. On va essayer de se débrouiller tout seul. En cantine, si vous êtes sûr de votre stuff, je vous conseille de prendre de la nourriture d'attaque. Donc là, on va essayer de tenter le diable. Et oui, ce Diablos, tenter le diable, oui, c'est un mauvais jeu de mots, je suis désolé. Je vais mettre full attaque au niveau de la nourriture, donc attaque G. Voilà. Hop, on va pas se prendre la tête. Voilà. On va essayer de faire le truc risqué. On va prendre les potions qu'il nous faut. Donc là, on va prendre directement la potion ancestrale qui nous évitera de prendre la potion secrète et la potion de vitalité. Donc là, comme ça fera les deux. Et regardez ma barre d'endurance. Parce que avec l'arc, l'endurance est très très importante. Plus votre barre d'endurance sera pleine, plus vous allez faire de dégâts. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous montrer en fait, dans mon équipement, voilà les talents que j'ai. Donc les dégâts élémentaires sont augmentés durant les attaques sautées. Donc ça, c'est pas vraiment important pour nous. Augmente la limite maximum d'endurance. Très important pour les arcs. Machine de guerre augmente l'attaque ainsi que l'affinité au niveau supérieur. Donc on a plus 5% et attaque 15. Maître d'armes augmente l'affinité de 15%. Nous avons Berserker, donc augmente les dégâts critiques de 140%. Mais c'est pas vraiment du 140% parce que quand vous mettez le jeu en anglais, ça vous dit 30, 40, 30, 35, 40%. Donc en fait, je comprends pas pourquoi il y a 140%. Dégainage éclair, donc augmente l'affinité lorsque vous exécutez des attaques dégainées. Donc ça, c'est vraiment quand vous sautez de haut et vous le tombez dessus. Nous avons Féline de Forgeon, donc accélère souvent le temps d'affûtage, mais ça c'est la bouffe, ça. On s'en occupe pas. Rage élémentaire, donc ça c'est parce que j'ai une âme Kajar. Donc la plupart, je pense que même presque toutes les âmes Kajar sont équipées de rage élémentaire. Donc voilà. Donc affiche des attaques affichées, augmente les dégâts élémentaires affichés par des attaques critiques. Donc voilà, je vais y arriver à parler, j'ai un petit peu du mal avec mon dentier. Renforce les armes non élémentaires dont vous êtes équipé. Donc là, ça ne nous concerne pas parce que voilà, on a un arc quand même avec un élément glace. Puisque contre le Diablos, il faut de la glace. Nous avons maître archer, donc augmente le niveau maximum de charge de 1. Mort venue d'en haut augmente la puissance des attaques sautées. Donc ce que je vous avais dit tout à l'heure. Traque sans merci augmente la puissance des munitions perforantes et du perce-dragon. Donc ça peut être utile.
Expérience survie, délai de réutilisation, donc des outils de survie, donc ça c'est bien aussi. Performance optimale, augmente l'attaque quand la vie est à son maximum. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de prendre les potions. La potion du démon qui va nous donner... Potion du démon plus, attention, qui va nous donner 290. Le filtre du diable qui va nous monter à 320. La potion de pierre qui va renforcer si vous n'êtes pas sûr de vraiment de votre bulle de défense. Après, vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais bon, ça fait toujours quelque chose, quoi. Des flashouilles peut-être. Bon, normalement c'est pas des flashouilles, hein. Normalement c'est des capsules de sonorisation, hein, sur le Diablos. Donc ça, on va mettre ça vraiment si on est dans le caca. Donc là, en fait, toujours quand vous faites de l'arène, moi c'est ce que je fais tout le temps, vous prenez un piège électrochoc et vous vous mettez au-dessus du piège de pierre. Tac, 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 tac. Voilà. On va l'attaquer. Allez, Toro. Voilà. Donc, on va en profiter pour mettre du perf dragon. 2, comme ça il va se relever. On va l'enchaîner. Regardez ma barre d'endurance, comment elle descend très très vite. Hein. Vous avez vu ça? Bon, il a déjà pété une corne. Attention. Ah, on se l'est pris. Donc réduction des dégâts subis parce que, comme j'ai débloqué la transcendance, ça fait que. Et bah j'ai de la défense. Donc là on va se préparer. Olé. On fait un petit plongeon. Hop 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 hop. Ah, là, il nous a touché. Ouais, le Diablos, quand vraiment il vous touche, c'est vraiment un casse-couille. Donc, on va utiliser le soin. On va un petit peu le flashouiller pour l'énerver. Voilà. Il aurait quoi comme un dératé. Il est par terre. Le père dragon. On va en faire encore un deuxième. Voilà. On va un petit peu temporiser. Il a l'air impressionné. Oh là, alors celui-là, on l'a échappé. On va le laisser un petit peu. On va peut-être prendre des fioles de sommeil. Donc ça, pareil, les arcs, j'aurais pu prendre des meilleurs trucs. Bah écoutez, il dort. On va refaire un deuxième. Même si c'est risqué. Attention, il va attaquer. Je pense qu'il va pas tarder à mourir. Bon, vous voyez, ça fait très très mal. Hein. Ah, ça, je m'y suis pas attendu sur celle-là.
force. Donc on va l'énerver un petit peu. On va prendre des capsules gluantes. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Mais mon palico ne m'aide pas aussi. Donc là, je vais peut-être mourir. Ça va. Viens pas m'ordonne. Donc le combat est un peu plus difficile puisque vraiment on est vraiment isolé quoi. On va éviter d'utiliser le Draconator. On va essayer de se débrouiller tout seul. On va récupérer l'objet. Donc là, aller dans les pommes. Allez. Donc les capsules d'insolarisation, ça m'aurait beaucoup aidé. Hein. Allez, père dragon. Oh, t'as de chance. Voilà, on a battu le Diablos et on a mis 9 minutes en sachant que j'ai pas utilisé le fumigateur d'affinité. Sinon j'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts. On n'a pas utilisé le Draconator, donc comme vous voyez c'est très très viable. En sachant qu'on est tombé sur un casse-bonbon, le Ratsan Sakura est aussi chiant aussi. Sinon, la plupart des monstres ils sont vraiment faisables. Après, la Basalgeuse c'est un petit peu plus difficile, mais comme je vous dis, vous jouez pas tout seul, vous jouez avec du monde, donc c'est assez faisable, comme vous voyez, très très bien. Donc voilà, donc ça c'était là mes premiers builds. Désolé, bon c'est mon premier build que je fais, c'est ma première vidéo de build que je fais. Je suis pas professionnel comme d'autres personnes, donc c'est vraiment pour essayer. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, lâcher un com. Si vous avez un build qui est beaucoup plus viable que le mien que je viens de proposer, bah je serais content de pouvoir l'utiliser et puis voir ce que ça donne comme différence par rapport au mien. Donc voilà, en sachant que le build que j'ai fait c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un build qui est quand même intéressant et très utile jusqu'au niveau 30. Donc voilà, après il y a d'autres personnes qui font des builds qui sont jusque des ennemis de niveau 50, mais ça requiert d'avoir du matériel gamma. Et forcément, pour avoir du matos gamma, il faut que vous battiez les monstres alpha suprême, ce qui est très très difficile. Donc au moins, vous vous dites qu'avec le stuff alpha et bêta, c'est déjà faisable. C'est au moins le minimum. Donc c'est pour ça que plus tard, je proposerai des builds avec des pièces gamma. Mais voilà. Bon là, c'est pareil, j'ai la transcendance aussi sur certains, de mes matos. Donc c'est pour ça que j'ai plus de défense que par rapport à vous, donc les stats sont pas franchement les mêmes puisque j'ai dépassé la limite quand même de mes armures et tout ça. Voilà, donc c'est tout, c'était ma première vidéo de build avec un arc et tout ça. Les autres armes vont arriver puisqu'au fur et à mesure je teste toutes les armes. Moi je joue plus avec le fusil arbalète, l'arc, la volto hache, la morpho hache j'ai un petit peu lâché, mais sinon j'étais tout le temps morpho hache. Je suis passé vraiment à la volto hache
Et là, je joue avec un arc. Donc, il y aura d'autres builds qui vont arriver et tout ça. Donc, vous inquiétez pas, restez à l'écoute. Donc, toujours mon affaire d'Internet n'est toujours pas réglée, mais vous inquiétez pas. Je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous dis bonne game. Profitez des événements actuels sous Monster Hunter World. Il y a du très très lourd qui va arriver sur Iceborne. Mais je vous conseille et je vous recommande de terminer au moins l'histoire du jeu. Arriver au moins au niveau 50 pour débloquer le maximum de choses. Et ensuite, vous verrez par rapport à Iceborne. Voilà. Parce qu'Iceborne, apparemment, les armures, les armes que nous on a qui sont super puissantes, apparemment sur Iceborne, ils sont encore beaucoup plus balèzes. Donc on aura encore du nouveau farm. Il faudra farmer de nouvelles armures, de nouvelles armes et tout ça. C'est excellent puisque on nous annonce que Iceborne, le DLC sera beaucoup, même presque beaucoup aussi grand que le jeu Monster Hunter World, quoi. Le jeu de base, vous imaginez? On aura des heures et des heures de farm et tout ça, c'est incroyable. Et vous allez voir qu'il y aura des nouvelles versions de monstres qui sont tout juste incroyables. Il y a d'ailleurs, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur YouTube, il y a déjà des vidéos de gens qui ont eu la chance parce que forcément, ils promouvoient le jeu et tout ça. Donc, ils peuvent tester, mais il y a une DNA, donc ils peuvent pas tout dévoiler, mais ils dévoilent quand même quelques monstres. Il y a des combats, il y a un Pouké-Pouké et tout ça. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube et vous allez voir, il y a déjà des vidéos sur Iceborne avec quelques monstres, mais je pense qu'ils vont pas dévoiler tous les monstres inédits et tous les autres qui vont arriver après. Voilà, bon, je vous laisse sur ces infos. Je vous dis à bientôt et salut!